guys It's in still part of our who are arrested for not having seatbelts in the mat. They've been taken to Kibera. Oh, okay, so just tell me the details and we'll figure it out. Thanks again. Okay, guys. Lorsque j'ai décidé de faire mon coming out il y a 8 mois, il n'y avait pas encore de loi au Nigeria. J'avais même prévenu tous mes amis que j'allais faire ça. Le timing, c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a un moment où tu es tellement énervé par les choses que ça stimule ton imagination créative. J'avais été très affecté par le projet de loi anti-gay en Ouganda, mais alors, quand j'ai vu celui du Nigeria, ne serait-ce que le libellé de cette loi, j'avais l'impression que c'était une vraie chasse aux sorcières qui me faisait penser à une certaine époque où les nazis avaient construit leur légitimité sur ce genre de choses. Un sentiment d'humiliation, rien qu'un sentiment d'humiliation.